Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça pourrait aller mieux parce que, comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je me suis cassé le doigt. Donc voilà, je me suis clairement pété un doigt en faisant un bar spin. Ce trick me rend fou, je me casse le doigt, j'y arrive pas, enfin bref, incroyable. Il y aura pas trop de vidéos pendant les deux prochains mois vu que je me suis cassé le doigt donc je peux plus rider. Donc j'espère que je pourrai guérir vite et reprendre les vidéos le plus tôt possible. Là, je le sens, il commence à refaire bon, j'ai vraiment trop le seum. Les beaux jours vont commencer à revenir et je suis là avec le doigt cassé, je dois rester chez moi, donc c'est insupportable, vraiment horrible. En plus, là, je suis en vacances, donc ça me tue. J'ai trop envie de rouler. Enfin bref, de toute façon, je suis obligé d'attendre. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette petite vidéo qui date des vacances de Noël. Ça risque sûrement d'être la dernière vidéo ride avant un petit bout de temps, vu que je pourrais pas vous tourner de nouveaux clips. Si vous voulez en savoir plus sur quand je me suis cassé le doigt, allez dans mon Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, le lien est dans la description. Allez-y parce que j'y suis actif. Puis voilà, moi je vous laisse avec cette petite vidéo où je ride un de mes spots préférés. Ce sont des fontaines, elles sont vraiment bien. Donc j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Et je vous laisse du coup avec la vidéo directement après l'intro. Let's go! Je suis parti pour une autre session sur ces petites fontaines qui sont vraiment sympas, surtout que là c'est à peu près sec, donc normalement on devrait pas avoir trop de problèmes. Aujourd'hui il fait vraiment froid, donc je pense que ça va être une session plutôt courte. Je vais bien tryhard ces petites fontaines, je vais essayer de vous faire plein de trucs avec les bancs là qui sont là. On va faire ce qu'il faut, c'est parti. Donc on va commencer par une ligne simple. Tout d'abord je grimpe là dessus. Après, je fais le petit gap entre les deux là. Je reviens ici. Là, je fais le transfert de ici à ici. Après, je vais essayer de revenir là. Et là, faire une petite sortie. Pour l'instant, je vais mettre la GoPro sur la tête. Et peut-être après, je ferai d'autres angles avec le trépied et tout. On va faire ça avec la tête pour l'instant. C'est parti. Bon voilà, ça c'est réussi, maintenant je vais vous faire des petits angles avec le trépied pour voir ça de plus près, c'est parti. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant que c'est fait, j'aimerais bien faire autre chose, ce serait sur ça. Donc ce serait monter d'ici à là en bunny up, après de faire le transfert de là à là-bas, et de là-bas rester en roue arrière et descendre là-dessus, et après plus loin, descendre en full jam whip drop. Donc on va essayer ça, je vais essayer de vous le faire, je pense que ça peut passer, parce que là c'est quand même plutôt large, donc il y a moyen que ça passe. On va essayer ça, donc voilà, je mets la GoPro sur le trépied et c'est parti.
c'était pas facile, hein, parce que regardez, là, c'est quand même vachement étroit. Et en plus, là, il y a de l'eau. Donc ça, j'en suis content, il était pas facile. J'avais vraiment peur de tomber dans l'eau. Mais il est passé, donc on passe à la ligne suivante, let's go. Donc on va faire autre chose, on va faire une ligne que j'avais faite dans ma vidéo de l'été. Plus un petit truc, vous allez voir, je vais mettre ça sur la tête parce que ça va être chiant à filmer en trépied. C'est parti. Donc on va la refaire parce que j'ai posé la roue avant sur le banc et c'est pas très clean, donc on va essayer de la refaire sans poser le pied sur le banc. C'est parti. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, on va passer sur une autre partie des fontaines. Donc là, on est resté sur les parties de la fontaine plus en longueur. Et plus loin, il y a une partie de fontaine plus carrée. On va pouvoir aller dedans. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est cette partie-là de la fontaine. Il y a plein de petites fontaines comme ça, donc on va pouvoir faire plein de choses stylées, je pense. C'est parti. C'est nul! Oh. Ah, c'est con ça. Aïe. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo. La dernière ligne avec le decaïde m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc là, faut que je rentre, je suis déjà en retard, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Depuis récemment, là, j'ai une nouvelle mousse pour la GoPro, donc normalement le son doit être meilleur. J'ai également changé le montage puisque je suis passé sur PC alors qu'avant je montais sur mobile, donc normalement le montage aussi devrait être meilleur. J'espère que ça se ressentira et que vous apprécierez davantage mes vidéos. Donc moi là, je rentre, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, laissez un like, mettez un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine, ciao. I'm in this.